This is cultural comparison number three. Il y a beaucoup de rites de passage dans beaucoup de cultures. Par exemple, dans les États-Unis, il y a une tradition ou une coutume qui s'appelle Sweet 16 ou Sucré ou Mignon 16. Et c'est quand un jeune est entre 16 ans et c'est leur anniversaire. Et on célèbre la jeune qui tourne à une adulte à l'âge 16. Et il représente la liberté et l'indépendance et la maturité. En France, il y a un différent rite de passage quand on a 18 ans. Sur l'anniversaire, on peut gagner le permis de conduire. alors, il représente la liberté, la mobilité, et parce qu'on peut conduire à n'importe où, et l'indépendance aussi, et la maturité aussi. Et pour comparer les deux, les deux rites de passage arrivent dans les années plus âgées pour les jeunes, par exemple à 16 ans ou à 18 ans. Et les deux sont très chers à les jeunes et très importants pour l'identité des gens. Et pour être une adulte et pour être mature.